À tout à l'heure. Bonjour à tous. Alors mon Bluetooth ne marchant pas, je suis obligée d'allumer avec le doigt. Bon, pari réussi hier. J'ai réussi à faire mes 30 km et plus peut-être pour traverser toute cette ville-là que je n'aime pas. Et maintenant, je viens de quitter l'accueil pèlerin. Je pleure parce que l'air est frais et ça me fait pleurer. Mais c'est pas du chagrin. Non, je suis contente parce que maintenant, ça y est, je vais m'éloigner de Bordeaux. Et en plus, je suis sur le chemin. Je suis la coquille. Alors, je ne sais pas jusqu'à où, mais je suis la coquille. Donc, ce n'est que du bonheur pour moi. Parce que ben, j'aime bien être avec la coquille. Voilà. Tout va bien. J'ai passé une nuit. Pas. Je crois que je n'ai pas bougé un seul doigt de toute la nuit. J'ai même pas entendu Nanou se coucher. J'ai vraiment bien dormi. Ce matin, ben, je me suis réveillée plus tôt, puisque j'ai dormi comme une souche. Et j'ai pu travailler sur la vidéo. Il faut que je la réécoute, voir si la musique est bien calée. Ah, musique, je vous ai mis les 10 commandements. qui m'a fait toute la vidéo, donc c'est super. Oui, j'ai fait au plus simple. Hein, pour pouvoir vous l'envoyer aujourd'hui. Pour ne pas avoir trop de retard. Parce que je vous aime, mes abonnés. Et je tiens à vous faire plaisir. Allez, gros bisous. Il va faire chaud, je pense, aujourd'hui. Mais comme le ciel n'est pas couvert, il est dégagé, ça va être une chaleur plus franche. Pas lourd, pas orageux comme hier. Je suis essoufflée parce que ça devait monter là. Ouais, ça montait. Voilà, oui, j'ai le chic. Je parle toujours quand ça monte. Il faut que je surveille. Alors, je suis sur la piste cyclable qui démarre depuis le prieuré. Et je crois que je vais la suivre pendant un bon moment, d'après ce que m'ont dit les hospitaliers. Et puis après, si ça passe dans les bois, qu'il n'y a pas de route pour les voitures, eh bien, je quitterai, je rejoindrai la route comme hier. Mais là, ça va être quand même mieux. Je vais passer une meilleure journée qu'hier. Bon, je n'ai pas passé une mauvaise journée, mais c'était long. Long et bruyant. Et j'aime le calme. Allez, à plus tard. Hop. Gradignan et je me rapproche de Léognan. Waouh, je suis trop forte. Mon Bluetooth ne fonctionnait plus. Ça y est, ça marche à nouveau. Non, c'est plus pratique que de mettre le doigt pour éteindre et allumer. Ou allumer et après éteindre. Bon, je suis bien sur le chemin de Compostelle. Je vais rentrer dans Léognan. J'y suis peut-être rentrée d'ailleurs. Je ne suis plus sur la piste cyclable. Je pense que je la rejoins un peu plus loin. Voilà. À plus tard. Il m'a été demandé de faire un petit résumé de la situation
où j'en étais par rapport à l'association. Alors, je suis au niveau des dons à 1930 euros. Ça ne décolle pas depuis le 15, je crois, le 15 juillet. J'ai plus de 1000 abonnés. J'approche les 1130. Il y a 20 ou 2 abonnés qui arrivent, qui repartent, depuis 2 jours, 2 ou 3 jours. Ça ne doit pas leur plaire que je marche sur la route. Et je n'y peux rien. Je n'ai pas le choix. Alors, donc 1930 euros. Je n'arrive pas à atteindre les 2000 euros. Plus de 1000 abonnés. Alors, je sais que parmi la plupart des abonnés, enfin, c'est pas mal d'abonnés, il y en a certains qui donnent déjà à d'autres associations. Je comprends très bien qu'ils ne donnent pas à plusieurs associations. C'est tout à fait compréhensible, bien que certains l'aient fait. C'est bien qu'on me suive sur la voie de Tours, mais si on n'a pas jamais donné à des associations, participer à la recherche pour soigner les enfants atteints de cancer, aider les familles qui sont atteintes par ça, sachant que personne n'est à l'abri de ça, les enfants, les petits-enfants, les neveux, les cousins, on n'est pas à l'abri. Ça serait bien que quand même, j'ai un petit peu plus de personnes qui participent. Je fais appel à vous, mes abonnés, vous me suivez, vous m'encouragez, c'est bien. Mais je ne marche pas que pour moi, je ne marche pas que pour faire Compostelle, je ne marche pas que pour faire connaître la voie de Tours. Je marche pour aider la recherche, pour soigner des enfants malades, des enfants qui souffrent, des enfants qui se battent contre la mort. Et un euro, comme j'avais dit une fois, un euro pour 1000 abonnés, ça fait 1000 euros. 5 euros, qui n'est pas une énorme somme, 5 euros, ça fait 5000. 1000 abonnés, 5 euros, ça ferait 5000 euros. Je ne demande pas que les 1000 donnent, il y en a déjà qui ont donné. Mais 5 euros, c'est énorme. Si c'est, je sais pas, même 500 abonnés qui donneraient 5 euros. 2500 euros. C'est pas beau ça? Alors moi, je suis une petite goutte dans l'association. Une petite goutte pour aider la recherche. Mais toutes les petites gouttes additionnées, ben, ça fait des grosses sommes. Et la recherche pourra avancer, d'autant plus qu'il y a un programme qui s'est mis en place pour aller directement au cœur de la maladie de l'enfant. Alors, je ne peux pas vous expliquer exactement parce que c'est scientifique, mais si vous allez sur Imagine for Margot, vous allez pouvoir lire tout ce qu'ils disent là-dessus. Je compte sur vous. Ne me faites pas marcher pour rien quand même. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous aime. Alors de Gradignan à Léognan, c'est très bien balisé. En plus, je passe sur la piste cyclable une bonne partie. Bon, il y a du roulage, hein. On n'est pas loin de Bordeaux, donc les gens travaillent. Les voitures, ça circule. Ça veut dire aussi que les routes ne sont pas toutes bloquées comme certains le pensent. C'est bloqué à certains endroits, mais surtout dans les passages des forêts. Et moi, je ne passe pas au milieu des forêts. Je suis loin de Landiras et loin de Cazaux. Il n'y a que les odeurs qui peuvent nous parvenir ici. Qui marche devant moi nettoie la piste et ramasse tous les papiers qui traînent. Et ça, bravo, je les félicite.
ramasser les papiers, c'est bien. Oui, on ramasse ce que les autres laissent. Ben oui, parfois c'est le vent qui emporte, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, c'est jeté par les personnes. Oui, les c'est les prochaines kinders, comme ça, c'est pas les adultes. Non, non, non. Mais ils sont fautifs, parce que s'il a pour nos enfants, ça n'arrive pas. Ah, tout à fait, il y a le mauvais exemple de toute façon qui est là, certainement. Oui, oui. Vous avez loin ? À Saint-Jean-Pied-de-Port, pas aujourd'hui. Hein. Oui, oui, non, mais... Ah, si vous y allez aujourd'hui, point de taxi, parce que là, si vous y allez aujourd'hui, non, non. Pas et vous avez des endroits bien spécifiques pour vous arrêter ? Non. Je suis... Alors, j'avais une tente qui est pour l'instant dans la voiture de ma filleule pour bivouaquer. Ah, j'ai le lac bleu sur mon parcours. C'est bien ça. Bon, j'ai discuté avec le couple qui ramassait les papiers, qui nettoyait. Ah, ils vont aller sur le site de l'association pour les enfants. Je leur ai expliqué, ça les a touchés. C'est souvent des personnes que je croise comme ça sur le chemin qui vont sur l'asso et qui participent. Oh, le lac. Ah oui, par contre, il est un peu asséché, j'ai l'impression. Oh là là, oui. Qu'est-ce que c'est agréable, ce coin. Il faut que je méfie parce qu'il y a des oies qui nous attaquent. J'ai assez des poubelles et des cailloux, moi. Toujours sur le chemin de Compostelle, j'avance. Alors c'est vrai, je suis sur la route. Mais c'est quand même le chemin, il y a la coquille de temps en temps. Et surtout, il n'y a pas de voiture ici. Bon, je sais que un petit peu plus loin, il faudra que je rattrape la Nationale 10. J'aurai pas trop le choix. Ce calme, j'entends les oiseaux. Mon sac qui grince. Afin d'aider Gina et Françoise à récolter des fonds pour des enfants sans cancer, envoyez vos dons grâce au lien dans le descriptif.